quelles stratégies pour un meilleur contrôle des finances publiques afin de contrer la mauvaise gouvernance et la corruption? Des inspecteurs généraux d'État d'Afrique réfléchissent à la question. Réunis au sein du Forum des inspections générales d'État d'Afrique et institutions assimilées, ils ont tenu leur 10e colloque international à Abidjan. C'était le lundi 20 mars. Vous avez décidé de rehausser de votre présence ce colloque international qui constitue une rencontre de haut niveau, dont l'objectif principal est de favoriser les échanges entre les inspections générales d'État face aux grands défis des États africains en matière de gouvernance. En prenant part à ce colloque, organisé sous l'égide du Forum des inspections générales d'État d'Afrique, vous ne faites pas que nous honorer. Vous marquez également l'intérêt du président de la République et le vôtre pour les questions portant sur la gouvernance de nos États, sur la bonne gestion des finances publiques. Autour du thème « Gouvernance, performance économique et évaluation, rôle et responsabilité des institutions supérieures de contrôle de l'ordre administratif », ces professionnels de l'évaluation des finances publiques ont examiné leur contribution à la question de la bonne gouvernance. Pour les participants venus des pays membres, l'intérêt de prendre part à ce rendez-vous d'Abidjan est grand. Les attentes sont grandes parce que c'est un moment de réflexion important qui va permettre à toutes nos institutions de mieux s'armer pour mieux faire le travail de tous les jours. Le Forum des inspections générales d'État d'Afrique et institutions assimilées est une association sous-régionale africaine. Il regroupe 20 États africains représentés par les institutions supérieures de contrôle ainsi que des partenaires techniques engagés dans la lutte contre la fraude, la corruption et le gaspillage. 25 inspecteurs généraux d'État membres de cette organisation africaine ont pris part à la rencontre.